autre réussite pour Biotech M. On est fly comme un bout d'aile, toujours fait partie du tout, voilà tes sons dans la bouteille. Rap intelligence, c'est un moteur. Vous écoutez le 95.8, la radio la plus populaire de la métropole avec Patrick Nau. On va se les dire les vraies affaires. On vit ici, dans une dictature de gauchistes, d'enverdeurs, qui aime mieux qu'on reste dans notre merde blanche. Des neiges rubonienne. Pis là, là, si vous savez pas conduire, restez dans la maison. D'ailleurs, grosse journée difficile sur les routes aujourd'hui. Parlant d'hiver, vous savez les prétentieux de l'île aux pins qui nous regardent de haut? Les pins de l'île aux pins, ils aiment pas ça l'hiver, parce que l'hiver, on peut pas jouer au golf. Alors les insulaires insolents jettent leur fric par les pins. Non mais c'est-tu pas t'en venu à ton cours, ça? Hey! On t'exporte en roulant! Quoi? On ne texte pas en roulant! Texte pas, je regarde une vidéo. Hé, rouge! Souris, le grand brillant, demande quelque chose, je le saurai. Mr. Web, si tu sais pas, c'est de là que vient mon nom. Mon pays, c'est l'hiver, mais pas pour les pins. C'est le golf à l'année. Gang de parvenus. Ils se foutent de tout, même la nature. Écoutez-moi bien, là, moi, j'ai rien contre les riches. Mais les vrais riches, par exemple. Moi, les parvenus de profession libérale qui nous font la morale, ils me font... Je dis-tu? Ben, ils me font chier. Bon, il faut encore avoir des plaintes. Ben, tant pis. Le monde va pas bien, pis moi, je t'en joie le vert. Bonjour André. Bonjour Camilla. Comment ça va Camilla? Tu as passé une bonne journée Camilla? Et Ami, elle fait toujours ses dents? Elle a pas trop mal? Bonjour André. Non, ta mère est pas encore entrée. Ami, dis bonjour à ton frère. Ouais, Pat, t'as fini, je vais chercher. Pat, je te l'ai dit, je pouvais pas après. Après quoi? Mais après le travail, nounou. OK, fait qu'on se pas ensemble. Pat, sors, là. Va voir du monde, fais quelque chose. Ah non, c'est correct, moi aussi, j'ai quelque chose après. Je sais c'est quoi ton quelque chose, je le trouve un peu bizarre. Ah oui, pis toi, il s'appelle comment, ton quelque chose? Tu veux pas le savoir. Bye, là, je t'aime. Bye.
Ta mère est très en retard, je dois partir. Tu vas t'occuper d'Annie. Quoi? Non. André, moi aussi, j'ai une famille. Ils m'attendent. Camilla, s'il te plaît. De quoi tu as peur? Elle va pas te manger. Et puis là, elle dort. J'ai mis un biberon au frigo si jamais elle se réveille. D'accord? Allez, à demain. Une vidéo qui fait peur. Mais rassurez-vous, il n'y a pas de victime ici. Une des immuables lois de la jungle, c'est la nécessité de se nourrir. Mais si la proie s'avère impossible à atteindre, alors l'animal abandonne bien vite pour préserver ses forces. Les grands prédateurs oscillent ainsi entre la férocité et un état quasi-végétatif, jusqu'à la prochaine occasion de mordre dans de la chair bien saignante. Chut, arrête. Tu veux du biberon? Manger. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas être suffisant pour ma famille. Dis-moi au moins comment il s'appelle. Mohamed Akhtir, il est gérant d'une mosquée. Pour vrai? Il s'appelle Serge Tremblay, il est bûcheron, puis dans ses temps libres, il tricote des ceintures fléchées. Arrête de niaiser. Qu'est-ce que ça change comment il s'appelle? L'important, c'est qu'il soit fin avec moi. Êtes-vous... êtes-vous intime? Ah, papa, franchement! Mais quoi, ça se demande? Ben non, ça se demande pas, non. Pas. Qu'est-ce que tu fais? J'update ta photo de contact. Ah. Ver los que hay detrás! Aïe, ce sont pas toutes de lumière. Mais je te laisse pas tomber. Debout, j'ai dit! Là. Camille est en retard, il faut que j'aille, moi. Non, ça n'a pas d'allure. Quoi ça? Je travaille tout le temps. La maison, l'école, la voiture, le camp de voile. J'aille ça, le camp de voile. C'est important pour tes relations. J'aille ça, les relations. Voici, là, mais j'ai pas le choix. Bye! Ah. Bye!
Vous, golf en hiver. Les riches se crissent de tout, même des lois de la nature. Attention! Ensemble à midi? Bye bye. Je vais chercher après l'ouvrage! Marcel, comment allez-vous? Le prodige. Excusez-le, mais voyons, bijoux. Vrai chien de garde, vous devez vous sentir en sécurité avec lui. Vous allez le surprendre, j'espère? Le terrain prêt. Vos membres vont en avoir pour leur argent. Ils pourraient jouer 2 rondes par jour, 24 mois par année. Ils n'en auront jamais pour leur argent. Le golf, là, c'est pas un sport, c'est pas un jeu. C'est un statut social. Mais voyons, bijoux. Puis pendant ce temps-là, notre ville est pleine de pauvres puis d'immigrés qui nous coûtent cher en temps. Parce qu'on est fin, on est gentil, on est des tatas. On les laisse rentrer dans notre pays comme dans un hôtel puis on leur paye la chambre. Non, mais c'est du gros bon sens. On vit au-dessus de nos moyens socialement. Hey, les caves, la vraie vie, c'est rough en titi. Puis ça, ça rime en crime. Vous écoutez le 95.8, la radio des radios, avec Patrick Nau. Annie! T'as failli casser la télé! Oh, shit! Faire 7. Il a dit faire 7. Oui. Salut, laisse-moi un message. Bon, ah ouais, chérie, là. Le jeu nous attend au chalet, là. Il va mourir d'ennui. C'est long, le golf, hein? Ah!
As-tu commencé à jouer dans mon pantalon, là, ma grosse cochonne? Tu peux rien pour attendre. Ah, je suis à 5 minutes de la maison. Amanda? Chérie? Je suis là? Je suis dans le bain. Attends, j'arrive. Ah, c'est quoi ça? Jacques! Oui, oui, j'arrive. Prochaine étape, ça va être de changer le climat du Québec au complet. On y travaille. Non. Elle, là, la prochaine fois, là, je vais lui donner un type tellement gros là, qu'elle va le voir parce que son pain beurré. Qui est tout le monde. Restez pas là! Ils sont malades! Mon tabarnak m'a t'empoyé, mon osse-poule de poil de tabarnak!
syndiqué. Je peux pas annuler des visites de maison tous les jours, moi. Ça te dérange tant que ça de manquer une journée d'école? Pas en tout. Fait qu'il y a où le problème? Ta fille pleure. Je sais, je l'entends. C'est vous qui avez appelé? On a souvent du bruit, mais là, ça atteint le stade de l'orgie sanguinaire. Hein? Vous pouvez retourner chez vous, je m'en occupe. Merci. Ça va? Matricule 122 à centrale. Allô? Allô? Salut, laisse-moi un message. Pat, c'est moi. C'est qu'il y a comme un problème. J'ai un mauvais feeling. Je vais chercher le truck puis je pense le chercher, OK? Appelle-moi, s'il vous plaît, le plus vite possible. Il y a des gens qui ont l'air pas bien. Pouponette, arrête de tout mettre dans ta bouche. C'est normal, elle a fait ses dents. Ah ben, l'expert pédiatre. Entre autres. Bébé, prête ça un biberon pour ta sœur, s'il te plaît. Oh, man, comment non. Je m'en suis occupée en masse de ma sœur aujourd'hui. Fais-y toi-même son crise de biberon. Oh, je connais quelqu'un qui va changer de ton et qui va faire ce que j'ai demandé, moi. Non, de l'eau en bouteille pour les biberons, combien de fois je te l'ai dit? Un bébé. Ça n'a pas besoin de faire de l'exercice toute la journée pour être en santé. Contrairement à toi. J'élimine les toxines, moi. Ah, mais c'est plate parce que le stress, ça augmente justement le niveau de toxines. Fait que peut-être que je relaxerai un peu à la place de faire de l'exercice toute la journée puis de prendre des anxiolytiques. Hein? Ah. Il se pense bêtement avec son smartphone, hein? Thank you.
Coke 1, jus de girle 0. Peut-être une overdose de quelle? Hé, hey, maman, mange de quoi, là? T'es en hypoglycémie sévère! Commande Pat, réponds, réponds! Je te dis que tu n'en sais pas, OK? Zirax, Sivotril, Valium, Ativan, Xanax, le gros C! Pas, mais c'est pas la seule. Elle a fait appeler l'ambulance. Le 911 vient de me raccrocher au nez. Alors, rentre chez vous, bande tes portes, puis cache-toi. Oh, c'est des zombies, ça. J'avais vu des zombies avec des yeux verts. Et j'aime ça, toi, des zombies. Ah ouais. Au vrai? Ben, à la TV. Rentale, on pourra pas rentrer sur l'île. Pierre, pourriez-vous nous décrire la situation? C'est un peu compliqué à expliquer. J'arrive, Pat. Cache-toi en attendant. J'ai peur. Je sais, Pat, c'est correct. Je m'en viens te chercher. T'es où? Dans le garage des cartes. OK, j'arrive. Je suis pas loin. C'est vous, madame!
que tu faisais dehors? D'abord d'isoler le problème, c'est fait, la quarantaine est complétée. Je tiens à rassurer la population, nous avons la situation bien en main. Ça va aller, Anil? T'as-tu faim? Dans la salle de bain.
obligé de toutes les amener de toi. Un hostie de cauchemar. Toi? C'est toi qui as frappé ma mère? Toi, t'es le petit Chris qui écoute des vidéos à vélo. Whatever, là. J'avais plus de quoi lui faire des biberons. En masse de bouffe. Il est où le lait de formule? Pas le genre d'affaires que j'ai checké, mais vas-y. Il est sûrement quelque part. Fait combien de temps que t'es ici? Depuis hier. C'est quoi ton plan? Quel plan? Mais là, on va pas sécher ici. Si tu veux partir, il y a le fleuve, mais il y a plus de bateaux, ils sont tous remisés. Non, tu peux toujours y aller en nord. Il fait frette. Ouais. Mais en tout cas, moi, je vais aller chercher de la bouffe pour ma sœur. Elle va guérir. Ce que vous avez à faire, mais sortez-moi d'ici. Nous avons déclenché notre propre protocole d'urgence. La marche à suivre est simple, je viens de vous la donner. Surtout, ne faites rien. L'opération nettoyage est en cours. On n'aura pas toujours du gaz. Mais ça aide. Faut pas trop compter sur le confort de la vie moderne. Prends vos appels, Patrick Nau, j'écoute. Ouais, allô? C'est moi juste pour dire que ça doit être encore un attentat des estis d'écologistes de gauche.
Hey, quel mort. Ils n'en ont pas assez. Si tu bloques les ponts, il faut qu'ils les fassent exploser à cette heure. OK, flush ça, Daniel Beauregard. Du pot, anyway, merci pour votre commentaire. On a sur la ligne le ministre de la Sécurité publique, Daniel Beauregard. Monsieur Beauregard, qui est responsable? On n'en est pas là. Il y aura enquête. Nous sommes toujours à déterminer la cause avant de tenter quoi que ce soit qui pourrait nuire au statu quo. Le statu quo est mortel, monsieur le ministre. S'il vous plaît, là, répondez au moins honnêtement à quelques questions. C'est pas le temps pour la langue de bois. Je l'assure, nous, là, nous voulons déterminer quelles la cause avant quelles sont les chances de survie des infectés? J'aimerais mieux qu'on parle de la catastrophe qu'on a évitée. Il faut pouvoir regarder un peu le positif dans tout ça. Le positif? Quand on sait rien, on fait rien. C'est notre politique de prédilection. C'est pour ça que la population nous suit. Merci. C'était Daniel Beauregard, le ministre de la Sécurité publique. Un autre incapable. Il me semble que ça prend pas un diplôme pour savoir ce qu'il faut faire. Quand un bras a la gangrène, tu coupes le bras. Maintenant, un message de nos commanditaires. Après, on prend vos appels. C'est qui, cette émission vous est présentée par la constellation des entreprises M. Hey! Avec M. Je suis un brain freeze. As-tu vraiment dit ce que je pense qu'il a dit? Qu'il fait que lui, pour se protéger, il est prêt à nous sacrifier, nous. Et on part. Et on part de nous autres. On n'est même pas infectés, toi pis moi. Salut, Patrick. Je t'écoute à tous les jours. Vous avez du goût? Je t'appelle de Lille. J'ai tout vu. Mais je suis pas infecté, là. Puis je suis avec trois enfants, puis je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont pas infectés puis qui veulent sortir. On a besoin de votre aide. Tu t'appelles comment? Dan. Dan Gingras. Écoute-moi, Dan. Moi, je veux t'aider. Mais il faut que tu m'aides à t'aider. Là, tu dis que t'es pas infecté. Comment tu peux en être sûr? Hey Patrick, je sais c'est quoi être infecté. Chris, ma fille est dans un fridge à plantes paix verte. Je suis désolé pour ta fille, mon âne. Vous êtes combien au juste de survivants? Quand nous autres, on est trois, là. Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont cachés. Puis, on a besoin d'aide. Dan, écoute-moi, Dan, c'est important. Le sais-tu vraiment, toi, qu'est-ce qui se passe sur l'île? Parce que moi non plus. Puis ça me rend bien nerveux. Tu vois ce que je veux dire? Hey, y a personne pour nous écouter. Quand on appelle le 911, il raccroche, calice! Dan, tu comprends qu'on n'en veut pas de vos bébites? La moindre des choses, ce serait de savoir ce que vous avez pogné avant de vous envoyer l'armée. On est des victimes, là. On n'est pas des méchants. Ben, c'est pas ça que tu viens de me dire. Tu viens pas de me dire que ta fille était verte, Dan? On fait quoi avec ta fille? Ils vont pas rester ici. Ils vont faire quelque chose. Ils vont... Ils vont quoi? Ils feront pas la différence entre nous autres et malades. Allez, Iani, essaie. Au moins, elle aimait ça aussi. Iani. Tiens. Pounette. C'est un maçon aussi, les vieux beaux. Merci. Bon, on fait quoi maintenant? On va se débrouiller tout seul. Depuis moi, on va aller se cacher dans le bois. Ça fait longtemps que je me prépare pour ça.
venir avec nous autres, si tu veux. Non. Faut trouver la raison de l'infection. Ta fille a besoin d'être guérie, right? Il faut trouver un vaccin. Puis pour trouver un vaccin, ben, il faut trouver une cause. Ça se peut. C'est long. Hein? Ben, c'est la fois qui peut contaminer tout le monde en même temps. Mais c'est vrai, j'en bois jamais. Si ça avait été empoisonné par des terroristes. Facile d'infiltrer un aqueduc, il n'y a pas de sécurité. Des terroristes sur notre île. Ben, faites chance. Mais c'est drôle. Mais je sais pas, là, des terroristes. Ben, c'est pas drôle, pas en tout. Même Annie, elle trouve ça drôle. Ben, ça ne l'est pas. De courant. Même quoi faire? Mais je sais pas, j'aurais pu brancher mon sel. Je vais prendre le mien. T'as quelqu'un à appeler? La famille qui veut savoir comment tu vas? Non. J'ai plus personne. Désolé. De retour avec un autre appel. Camila Sanchez, je vous écoute. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Et qu'est-ce que je fais, madame? Vous appelez au meurtre. Non, je m'excuse, mais je n'appelle pas au meurtre. Et écoutez-moi bien. En ce moment, il y a quelques milliers de personnes infectées sur une île. OK? C'est grave, c'est triste, c'est désolant. Mais on peut encore limiter les dégâts. C'est là que je travaille, monsieur. Il y a des gens bien. Avant de les condamner, pourquoi on ne va pas sauver ceux qui ne sont pas malades? Madame, moi, je trouve ça beau, les grandes idées, puis la générosité, puis les belles intentions. Mais si ça se répand, cette affaire-là, c'est des millions de personnes qui sont en danger, oui. Des dizaines de millions, puis peut-être toute la population de la planète. C'est vraiment ça que vous voulez? Entre quelques milliers de personnes,
puis la survie de tous, vous allez vraiment choisir les quelques milliers d'infectés de l'île aux pins. Vraiment. En plus, je vous écoute, vous, là. Mais d'après votre accent, ça se peut-tu que vous soyez pas québécoise? Ça se peut-tu que vous soyez d'Amérique latine? Je suis québécoise. Oui, oui, c'est ça. Québécoise d'origine latino. Puis vos ancêtres, eux autres, ils en faisaient pas des sacrifices? Pardon? Des sacrifices humains. Chez les Mayas, on sacrifiait un humain pour nourrir les dieux. Chez les Aztèques, on offrait le cœur d'un humain au dieu Tezcatlipoca pour éloigner les cataclysmes. Chez les Incas, on sacrifiait des enfants. Quand l'empereur était malade, des enfants de moins de 8 ans, toute chose. Fait que, venez pas chez nous nous faire la morale, OK? Un peu de musique va nous faire du bien. Mais je suis québécoise. C'est fait. Cretino. Wow, t'es bon, t'es beau, je t'aime, t'es le meilleur. T'es le meilleur. C'est ça, faire de la radio, mon pote. J'imagine que vous êtes la marche à suivre. J'ai tout brûlé, les documents, le contrat. Il vous reste à faire disparaître le stock de fertilisants puis à remettre le gazon à neuf. Avez-vous les... Ça va tuer la molécule en moins de 24 heures. Partout. Dans l'eau, dans l'air. De l'herbe. La jolie herbe. Je vais pas emmener la petite. Elle se met à crier, c'est pas safe. Puis elle? Ah, je peux pas laisser que la petite. Selon.
Je vais t'attendre ici, moi. Arraché tout seul. Comme une branche morte. Tu sais quoi le mot de passe de ta fille? Dan? Dan? Qu'est-ce qui se passe? Yes! Ça fonctionne. Il y a du gazon qui pousse. Du gazon. Du gazon en hiver. OK, mais c'est quoi le rapport? C'est pas des terroristes. C'est des golfeurs!
Ouais, grouille! Je suis là. Allô? Ouvrez, on n'est pas infectés! À part une! Là, ils vont comprendre. Prends soin d'elle, je reviens! Qui fait de la fumée sur Internet, puis j'ai rien. Hey, lâche ton masque sur le téléphone! C'est ici que ça se passe! Juste en attendant qu'on trouve, Pat. Trop fragile. Je reviens, OK? Je vais rejoindre Dan. On cherche quoi? On cherche... Je sais pas, on cherche quelque chose qui fait pousser le gazon en hiver, qui fait fondre la neige, puis... qui fait de la boucan. J'ai laissé ma flashette à l'aqueduc. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? C'est un chien. Il est devenu un morceau de gazon. On n'a pas de temps à perdre ça. Patricia va pas finir de même. Pas faire attention, moi je continue. Ouais. André? Il est où le piton pour la lumière? Ah. C'est. Oh, dame. Le bras.
André. Ouais. Attention. Toi aussi. Annie? Jamais ça, ok? Vous êtes qui? À ma soeur, là. Je vous jure.
Bonjour. Je m'appelle André Boisbriand. Je suis sur les lopins puis je suis pas infecté. Les infectés sont attirés par l'eau et le soleil. On dirait qu'ils ont été génétiquement modifiés pour que du gazon pousse sur eux. Ça, c'est ma sœur. Elle est verte. Je comprends pourquoi vous nous avez mis en quarantaine, là, mais... Et bientôt, ma sœur, elle va ressembler à ça. Aidez-moi, s'il vous plaît. Le taux de mortalité des infectés serait de 100 %. Ça, c'est plus que le virus Ebola, monsieur le ministre. 100 %. Un infecté égale un mort. 10 000 infectés, 10 000 morts. Je pense pas que nos chiffres concordent. Bullshit! Mes chiffres à moi sont en béton. Justement, monsieur le ministre de l'Insécurité publique. Là, je vais vous poser une question, mais je vous avertis, c'est une question importante. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous allez faire pour protéger la population d'une infection virulente à 100 %? Nous, ce que nous voulons faire... Quand un membre a la gangrène, la seule façon de sauver le patient, c'est d'amputer. Amputer? Tu sors la scie... Puis tu coupes tout ce qui pue. Êtes-vous prêt à sortir la scie, monsieur le ministre? Êtes-vous prêt à sauver le Québec? Thank you.
infecté. Ça va bien aller. La guerre, c'est la guerre. On vit pas au pays des licornes pis des arcs-en-ciel. On est menacé. On est en danger. Les bien-pensants nous mettent en danger en voulant accueillir ce qui va nous tuer. Tu veux protéger ton mode de vie, ta culture, ton monde. C'est eux contre nous. Bon, d'après le ministère, l'épidémie est contenue. André! Hé! Ils ont enfin compris, gang d'incapables. André! Des fois, on dirait qu'il faut prendre des décisions à leur place. Après la circulation et les nouvelles du sport, on cède l'antenne à notre ami Richard et sa tribune libre. Nous, on va retourner à la maison pour un repos bien mérité. Vous écoutez le 95.8, la radio des radios, avec Patrick Nau. À très bientôt. Annie! Tu reviens, mon pauvre chéri. Oh, mon amie, pauvre querida. Tu vois? Dame leche, por favor. Québécoise, Québécois, nous avons connu une crise sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et si l'on exclut les infortunés habitants de l'île aux Pins, nous nous sommes montrés à la hauteur. Nous avons circonscrit l'épidémie, isolé les foyers de contamination et éliminé toutes les dernières traces d'infection. La parfaite coordination des forces de police, des forces armées et du secteur privé est la source d'une grande fierté. Il s'agit d'une marche à suivre que, dorénavant, la planète voudrait imiter. Excusez. Québécoises, Québécois, réjouissez-vous. Vous pouvez continuer à dormir tranquille. Thank you.